de Time Warp filmé pendant une balade rapide dans ma rue et mon quartier. Dans cette vidéo, je vais vous parler de GoPro, et plus particulièrement du mode Time Warp qui est pour moi un des modes les plus intéressants qu'offrent les caméras GoPro, car ça permet de faire des vidéos très dynamiques en seulement quelques secondes, ce qui est devenu le type de contenu le plus populaire ces dernières années. Si vous avez une GoPro des modèles 7, 8 ou 9, il y a une stabilisation électronique dessus, et le mode Time Warp utilise cette stabilisation. C'est en fait un timelapse en mouvement, stabilisé par la caméra. Je vais commencer par vous montrer les réglages que je préfère utiliser pour avoir le meilleur résultat possible. Donc, pour les réglages du Time Warp, on va ici, dans le mode accéléré, et on appuie ici pour le modifier. Donc je choisis 4K pour avoir le plus de pixels possible au cas où j'ai besoin de recadrer. Si votre ordinateur a du mal avec la 4K, vous pouvez essayer en plus petit format, surtout si c'est pour poster sur Instagram où la différence de qualité ne se verra pas trop. Pour l'objectif, je préfère choisir linéaire. Ça peut être intéressant de filmer en large, mais je n'aime pas trop la distorsion fisheye de l'objectif. Ensuite, pour la vitesse, il faut savoir une chose, plus la vitesse est élevée et plus l'image sera stabilisée. Donc moi je choisis x15, car en x30, il faut filmer un peu trop longtemps pour avoir quelques secondes de timelapse utilisable. Maintenant, quand on va dans les réglages ProTune, je conseille avec les ISO d'être tout le temps à 100 en minimum et 400 maximum si c'est en extérieur la journée. La netteté sur les GoPro est pas très naturelle, donc on va choisir faible, et les couleurs plat. Car les couleurs GoPro m'agressent un peu les yeux. Si vous aimez, vous pouvez laisser comme ça, mais je préfère filmer en plat pour ensuite, sur le logiciel de montage, travailler un petit peu plus les couleurs. Maintenant, on va parler des astuces qui sont un peu moins évidentes. On va activer dans le menu déroulant la grille, car ça permet de créer un repère visuel sur l'écran pendant qu'on enregistre le Time Warp. Si on veut garder un bâtiment en plein centre de l'image, par exemple, c'est beaucoup plus simple. Mais pour que tout ça marche, il faut aussi aller dans les réglages de l'écran LCD et faire attention à ce qu'il ne s'éteigne pas pendant le Time Warp. Donc choisir au moins 3 ou 4 minutes. Ah oui, aussi, on va réfléchir à l'avance si on va filmer en format portrait ou paysage, si c'est fait pour être regardé sous ordinateur ou téléphone. Pour moi, comme c'est pour YouTube, j'ai tout filmé en paysage, mais je filme au moins la moitié du temps en portrait pour pouvoir poster sur des applications mobiles comme Instagram sans avoir de recadrage. Maintenant, pour la partie la plus importante qui est de filmer le Time Warp. Comme je le montre ici, il est possible de faire plusieurs types de mouvements de caméra pour donner des dynamiques différentes. La façon facile, qui est de garder la GoPro pointée devant soi et suivre une route en marchant au milieu à un rythme régulier. Mais pendant le Time Warp, il ne faut pas hésiter à varier les angles de caméra et aussi les mouvements de son corps. Ici, je penche petit à petit la GoPro jusqu'à ce qu'elle soit en contre-plongée et moi, pendant ce temps, je tourne sur place. On peut aussi tourner autour de son sujet, faire tourner la GoPro sur elle-même, utiliser la grille pour garder le même sujet au centre, même en avançant. Ce qui est important, c'est de faire des mouvements doux avec le bras qui tient la GoPro. Ce qu'on peut faire une fois que son Time Warp est filmé pour l'améliorer, c'est accélérer sa vitesse si on trouve que le mouvement de caméra est trop lent. Sinon, on peut faire un effet de loop qui produit une boucle infinie. Ça marche bien, surtout si c'est pour être posté sur une plateforme comme Instagram qui répète les vidéos en boucle. Ça permet qu'il n'y ait jamais de coupure dans la vidéo, ce qui est beaucoup plus plaisant à regarder. Et en dernier, bien évidemment, on peut retoucher un peu les couleurs et y ajouter une musique comme il n'y a pas d'audio sur les Time Warp. Bon, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vais continuer à sortir des vidéos sur les GoPro car j'ai encore quelques idées. Et je vois beaucoup de gens qui ont du mal à utiliser ces caméras et à avoir des beaux résultats avec. On va parler du mode photo, des meilleurs paramètres d'exportation pour ne pas perdre en qualité. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez me demander en commentaire ou en message privé sur Instagram. Et j'essaierai de vous aider. Allez, salut!